Donc je suis avec Fabienne, la coach de Chèvremont, l'équipe 2 des seniors. Donc Fabienne, quel est ton ressenti après ce match un partout face au FC Bar? Bon, ben, mon ressenti, je trouve que c'est un score assez logique. 1-1, c'est un bon résultat pour nous. À savoir que chez nous, on a 40 licenciés seniors pour deux équipes, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc moi, j'attends que le dirigeant de là, l'entraîneur de là, fasse son équipe. Et après, ben, je choisis avec les joueuses qui restent. Voilà, mais aujourd'hui, je suis assez contente par le résultat. D'accord. Merci beaucoup, Fabienne. Voilà. Ok, donc bonjour, je suis avec Florian Ruche, coach des seniors féminines de Bar. Un petit mot sur le match qui vient de se terminer. C'était une belle partie entre deux équipes qui se connaissent bien, puisqu'on avait Chèvremont dans notre groupe la saison dernière en U18. Donc c'est la première fois qu'on ne les bat pas, un match nul plutôt mérité dans l'ensemble, même si je pense qu'en deuxième période, on aurait pu aggraver le score une à deux reprises. Voilà, on aurait peut-être pu gagner 3-1 à l'heure de jeu. Après, il y a du mieux par rapport à la semaine passée, cette lourde défaite face à Dell qui avait également une belle équipe. Je suis assez satisfait du comportement de mes joueuses aujourd'hui. Qui se sont battus, voilà, même si physiquement je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. L'effectif s'étoffe également, ce qui permet de pouvoir faire un petit peu tourner, un petit peu souffler. Manque encore quelques automatismes, notamment en milieu de terrain, je pense, avec les joueuses de qualité qu'on a. Maintenant, voilà, il faut travailler, et puis on a une semaine de repos, on ne joue pas la semaine prochaine, et puis on essaiera d'aller à Colombier-Fontaine, qui est également une belle équipe. Pour aller décrocher la première victoire de la saison. Ok, merci. De Bonne rien. continuation.